au-delà de la ligne bleue des Bruins, prudemment. Lucic va aller chercher, il est pourchassé par Gionta. Il se lance en territoire central, perd la rondelle. Gomez y enlève le disque, il s'installe. Remet à Gionta qui descend au cercle, tir et court! Brian Gionta, son deuxième du match. Et le Canadien mène 2-0 en fin de troisième période. Alors Lucic vient de faire un cadeau au Canadien. Bravo à Gomez qui est venu lui soutirer la rondelle. Alors, je t'ai parlé un peu plus tôt de ses montées à l'emporte-pièce où il tentait de tout faire par lui-même. Bien, c'est encore une fois ce qui vient d'arriver. Il s'est fait soutirer la rondelle à la hauteur de la ligne bleue de son équipe. On a gardé la rondelle et tout le monde a été pris par surprise. Tire hors l'aile sur une belle passe en retrait de Gomez jusqu'à Gionta. Gionta file le long de la rampe du côté gauche. Il est droitier. Il a l'angle parfait pour décocher son tir. Il bat le gardien de but. La rondelle lui traverse le corps du côté de son bâton, Martin, entre le coude et le corps. Alors, il a mal paru là-dessus. Match numéro 2, 18h30 au réseau Cogeco. Qui l'eût cru? Une excellente troisième période de la part du Canadien, Martin. Les Bruins...